Matsona wa muti misobo, unyola wa salongo la ditae. Napulana, jibene tonso na sotanele, doku pandemba ume mamo na moe yo. Napulana, jibene tonso na sotanele, doku pandemba ume mamo na moe yo. J'ai toujours voulu qu'il y ait la date entre nous, mais tu ne fais que tout mater mon cœur. Hey, hey, ah, dengue, maxon a wa mouti misobo, bonyola wa salongo la dita, hey, oh, hey, dengue, maxon a wa mouti misobo, bonyola wa salongo la dita, hey. Et y'a dit Antoine, enseigne de la camère. Ah.
ma komi ma bobe mo ma danka ne kwae ma bobe mo bodi wa ngalea ngamba obele kenge to se ma kobiye ngamba obele amuna kamba chiba ngamba obele kenge to se ma kobiye ngamba obele 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 Yeah, sokele sokele bomba, ipa pele pele dande dande, likande yeno vale likande yeno wone. Ah, wanu kodimba mulema, tiana. Bon. Allô, 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 allô. Je sais pas si on va continuer à danser comme ça parce que moi je vais danser jusqu'à demain. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Attends, attends, attends. J'enlève le micro. J'enlève le micro. Monsieur Bantouzik, Madame Bantouzik, vous m'avez réveillé. Vous m'avez réveillé. Vous m'avez réveillé. C'est tôt le matin chez nous. Je viens de me réveiller là. Tu me réveilles avec la chasseuse. Si ça, c'est mon enfance. C'est mon enfance. Ouais. Oh. Ouais, ouais, attendez un peu, je vais encore partager. Mince, non, je vais partager encore. Dites-moi si vous entendez la musique là. Non, je dois enlever un peu le micro là pour deux secondes. Parce que là, vous avez fait quelque chose ce matin. Ah ouais? Il est 8h. Il est 8h du matin, je suis allé dormir très tard, je me suis réveillé. 5h plus tard. Et là, tu me demandes de commencer le live avec ces chansons. Vraiment, merci beaucoup parce que ça m'a réveillé. Donc, Monsieur Bantouzik, je ne sais pas si ton internet là t'es dérangé pour deux secondes. Ah, on voit pas ta caméra. Pour les yé-yé. C'est pas pour les yé-yé. C'est pour ça que je me suis c'est même pas demandé. Pour les yé-yé. Ah. Non. Roman, bonsoir. Mets le lien de la musique ici. Ouais, c'est bon, le volume est bon. C'est bon, ok. Bon, on va faire un live. Au fait, aujourd'hui, c'est un live spontané, aussi très rapide qu'on voulait faire pour vous introduire Bantouzik. Donc, je vais faire une chose d'abord, une seconde. Une chose, je vais partager mon écran rapidement. Au fait, je vais vous présenter, vous tous qui êtes ici, je vais vous présenter Bantouzik. Et Bantouzik, au fait, c'est la plateforme de musique, ok. Pourquoi est-ce que j'ai commencé avec Jackie King ce matin? Parce que c'est une plateforme qui va vous enseigner parents, yes. Enfants et adultes, parents, enfants et les autres adultes à apprendre la musique. Donc si ça fait longtemps que vous voulez apprendre la musique, ça fait longtemps que vous voulez apprendre la musique et que vous avez au fait abandonner cette partie artistique de vous, cette partie artistique de vous. Donc aujourd'hui, vous avez l'opportunité de vous reconnecter avec la musique, ok? Donc je vais vous présenter Bantouzik. Ah, c'est sérieux aujourd'hui, hein? Bantouzik est là, boum, ok, je vais partager. Est-ce que vous voyez bien Bantouzik? Parfait. Au fait, alors, aujourd'hui, j'ai les deux enseignants de Bantouzik, les grands enseignants de Bantouzik. Et c'est un honneur pour moi de vous présenter mes Bantouzik. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu les vidéos de moi et ma fille. Et je vais vous montrer rapidement sur notre chaîne YouTube. Bon, sur notre chaîne YouTube, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein? Mais je vais aller sur notre chaîne YouTube, OK? Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ici, vous avez les vidéos. Il y a beaucoup de vidéos ici. Et là, si vous allez plus en bas, vous allez voir le vlog 25. OK? Le vlog numéro 25. J'ai même perdu moi mon propre vlog. Hein? C'est grave alors. Voilà, le vlog 25. Je suis en train de jouer une chanson avec ma fille. Alright? Si vous cliquez sur le vlog. Ça veut dire que ma vidéo a beaucoup de sons, de traction de musique. Cette vidéo
Attendez, je vais partager ça avec vous. Parce que j'ai l'impression que... Est-ce que vous entendez la musique? Hein? Non, non. OK, vous n'entendez... Est-ce que vous entendez la musique? OK, je vais mettre pause. Je vais mettre pause. Je vais vous mettre... Arrêtez le partage. Je vais faire quelque chose. Partagez encore une dernière fois. Partagez et partagez le son du contenu. OK? Bon, là... Ici, vous avez une vidéo de ma fille et moi. Je ne sais pas, vous écoutez la chanson. Ça, c'est l'une de mes vidéos préférées sur notre chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les instructeurs de Bantuzik rapidement. Vous allez voir, ça, c'est une petite fille de 5 ans. Une petite fille de 5 ans qui apprend à jouer les musiques africaines. C'est pas seulement africaine. Eux, ce sont des pianistes classiques. Ce sont des pianistes de haut niveau. Ce sont des pianistes qui savent apprendre la théorie et la pratique. Et ils adaptent même des cours de musique à vos préférences musicales et à votre goût. Donc, ça, c'est vraiment une présentation de Bantuzik très rapidement pour que vous sachiez qui ils sont et pour aussi réserver vos places. Pourquoi? Parce que ils ont ouvert leur cours maintenant à tout le monde et l'été 2021 vient. Vous voulez avoir des activités, vous voulez être occupé, vous voulez vous reconnecter avec votre musique. Aujourd'hui, c'est l'opportunité de vous reconnecter avec la musique. Et encore le caveat. On va vous laisser ça jusqu'à la fin. Bantuzik, bienvenue. Bantuzik et Roman. Bon, que, comment vous allez? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Attends, Romain, je pense que je t'ai mis en mien. Ok, attends, désolé. Romain, tu peux aller, vas-y, comment tu vas? Ça va bien, c'est toi. Ça va très bien, très bien. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin. Je sais que j'ai l'impression que tu as une fenêtre ouverte derrière. Si tu peux fermer cette fenêtre ou la fenêtre YouTube. Non, non, la fenêtre sur l'ordinateur ou sur ton téléphone. Est-ce que tu peux fermer cette fenêtre? Et Bantuzik, Mélie, comment tu vas? Ton internet dérange aujourd'hui, hein? Ça bug. C'est bon? C'est bon maintenant de ton côté. Mélie, comment tu vas? Très bien. Très bien, et toi? Ça va bien, merci. Donc, j'aimerais que tu nous introduises un peu c'est quoi Bantuzik. Oui. J'ai l'impression que ton internet, ça bug. Si tu peux enlever ta vidéo pour 2 secondes, ça va peut-être améliorer le délai de son. Voilà, parfait. Et tu peux mettre le... Bon, c'est plus tard. On va le faire plus tard. Donc, est-ce que tu peux nous introduire un peu c'est quoi Bantuzik et qu'est-ce que tu offres? Qu'est-ce que vous offrez? Allô? Allô? Oui, j'ai vas-y, vas-y. Oui. Roman, vas-y. J'ai l'impression que l'internet de Mélie dérange ce matin. C'est quoi alors, Bantuzik? Tu m'entends quand même? Je t'entends bien, vas-y. Là, tout de suite, oui. Tu m'entends? On t'entend, vas-y. Bon, j'ai l'impression que son internet dérange. Reconnecte-toi. Roman. Ok. Peux-tu... C'est un concept. C'est oui. Qui propose des cours de piano pour tous. Mm-hmm. Voilà.
pas de niveau, pas d'âge, pas de distinction. Si vous voulez apprendre à jouer du piano, quel que soit votre niveau, venez chez Bantouzik. La différence chez Bantouzik, c'est qu'on vous propose un contenu adapté déjà à vos envies, adapté à votre personne, à vos goûts. D'accord? Et vous allez remarquer que Bantouzik est axé sur la culture africaine. Donc, on vous proposera de la musique africaine, bien sûr, et autre chose, c'est diversité, mais principalement axé sur la culture africaine. Par exemple, vous voyez, lorsque vous cherchez une pièce de, je sais pas, du Chopin, du Mozart, c'est, comme on dit au pays, c'est versé partout, ok? C'est partout. Mais si, par exemple, aujourd'hui, il y a une chanson de Fally Ipupa qui me plaît, quand je vais chercher, que ce soit sur Google, YouTube, je ne vais pas trouver de contenu, je ne vais pas trouver de partition, je ne vais pas trouver de tablature qui va me montrer ça. Alors que chez Bantouzik, vous retrouvez toutes vos chansons préférées. Donc, première chose. Que ce soit du Bikuti, du Makossa, Nadjari, tout ça, vous trouvez chez Bantouzik. Adapté à vos... J'aime ce que tu as dit, hein, que ce soit, vous ne trouvez pas les partitions. Et quoi d'autre? Quel autre mot tu as utilisé, maman? Peut-être un peu technique, mais je ne sais pas si tu vois. Non, c'est bon. C'est bon d'être technique, c'est parce que vous êtes au fait des pianistes de haut niveau, vous. Ce que j'aime sur vous, c'est quoi? Avec notre enfant, par exemple, on vous envoie les sons qu'on aime. Qu'on aimerait qu'ils apprennent. Comme par exemple, Olélé, Moliba, Makassi. OK? Mm-hmm. Vous prenez la chanson. Donc, ça prend même pas 30 secondes. Vous avez déjà écrit la chanson sur le piano. Vous nous envoyez des notes. Vous envoyez les notes, comme tu as dit, les partitions, n'est-ce pas? C'est quoi le deuxième mot que tu as dit? Tablatures. Les tablatures. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi les tablatures? Dis-nous un peu rapidement, c'est quoi les tablatures? Vous voyez, quand vous cherchez à jouer une chanson que vous connaissez et vous ne savez pas forcément lire des partitions, alors vous allez voir sur des applications comme Synthesia où on va vous dessiner un clavier, vous allez voir des notes tomber qui vous indiquent en fait quelle note appuyer. Boum! Voilà, comme ceci, ça se présente comme ça. Ça, c'est une tablature et Bantouzik va vraiment nous présenter. Ils ont déjà commencé, petit à petit, ils vont ajouter plus sur YouTube. Mais voilà, pour ceux qui aiment le son de Fally Ipupa, 8e merveille. Voilà. Fally Ipupa, 8e merveille. Vous pouvez trouver cette chanson. Et je vais encore vous offrir, je vais vous donner un exemple pour après qu'elle finisse de nous introduire. Mais vas-y, continue. D'accord. Donc, ce qu'on a devant vous là, c'est une tablature. Tu vois, il y a un clavier et il y a des barres verticales de différentes couleurs qui indiquent couleur bleue pour la main gauche, couleur droite, couleur verte pour moi. Et tu vois, ça te montre avec le rythme. Voilà. Très, 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 très bon conseil. Ah, je ne sais pas pourquoi mon internet dérange ce matin. C'est peut-être mon internet qui dérange, hein, qui sait jamais. Très bon concept, vraiment. Ça va cartonner, pourquoi? Parce que sur YouTube, comme on le dit, on ne trouve pas les chansons. On ne trouve pas les chansons de nos chansons nous-mêmes sur YouTube comme ça, là, avec les tablatures qui sont présentées comme ça. Et je vais même jouer ça. Je vais jouer un extrait pour que les gens écoutent un peu rapidement. Attends, je vais arrêter ce partage et je vais faire un autre partage. Attendez une seconde. Attends, je veux que les gens voient pour leurs yeux à quoi ça ressemble, OK? Thank you.
Bon, je vois que les gens commençaient déjà à danser là. Bon. C'est aussi que certains qui viennent de voir la tablature peuvent se dire c'est trop facile ou c'est trop difficile en fonction des personnes. Je tiens à préciser justement que Bantouzik personnalise les cours en fonction de la personne, en fonction de votre niveau, vos goûts. Donc, cette tablature, par exemple, on peut vous la proposer à un niveau un peu moins intense ou à un niveau plus élevé Oui, tout en à fonction fait. de voilà. Donc, ne restez pas focus sur ce que vous voyez. C'est personnalisable, les cours. Bon, pour tous ceux qui m'aiment et tous ceux qui connaissent la chaîne ici, c'est la chaîne de Mutuashi, OK? Et il y a une chanson, je vais vous montrer la prochaine présentation parce qu'on aura une présentation plus élargie plus tard, dans les semaines à venir, où on va vous présenter même encore les chansons qu'ils ont adaptées pour nous. Et dans l'une des chansons que je vais leur présenter, il y a une chanson d'enfant en Mutuashi, en Tshiluba. On va vous montrer comment notre fille l'a appris. Parce que le beau concept avec la belle chose avec Bantouzik, c'est quoi? Vous leur présentez votre musique, il adapte à votre goût, il adapte à votre niveau, il vous le présente à votre niveau, OK? Et vous apprenez à votre niveau. Et au fur et à mesure que vous avancez, ils peuvent augmenter le niveau dans la présentation. Donc, ils vont peut-être commencer avec le concept, les do, ré, mi. On va pas vous présenter la tablature d'abord. Après, maintenant, ils vont passer au prochain niveau. OK, le son, le rythme. Après, ils vont vous présenter maintenant la tablature. Do, c'est ce doigt. Ré, c'est ce doigt. Mi, c'est ce doigt. OK? Et là, maintenant, vous apprenez à jouer avec le son et le temps. OK? Donc, on va vous présenter des chansons. On va vous présenter des chansons je pense que dans 4 semaines, on aura une autre entrevue avec eux, mais ça serait plus élargi. Ou juste une présentation rapide. Parce qu'il nous reste 5 minutes. Donc, Monsieur Bantouzik, vas-y alors, parle-nous maintenant finalement. Oui, Comment est-ce que tu... là vous m'entendez? On t'entend très, 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 très bien. Maintenant, Perfect. dis-nous alors, dis-nous avec tes propres mots, Oui. quoi d'autre vous offrez pour ajouter sur ce que Roman a dit? Parce que ce sont des très, 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 très bons pianistes, très doués. Très, très doués. Vas-y, parle-nous alors. Non, je pense que Roman a fait le tour. Roman a fait le tour pour compléter ce qu'elle a dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a commencé à faire la pub, beaucoup de gens nous ont demandé mais comment ça va se passer, des cours en ligne, est-ce que, bref, il y avait beaucoup de questions dans ce sens-là. Comment est-ce que les cours à distance, est-ce que c'est possible? Alors, pour la petite histoire, nous-mêmes, au départ, on n'y croyait pas vraiment. On a eu beaucoup de mal. On se disait, mais comment est-ce que, par exemple, pour les enfants, tu es témoin avec ta fille. Avec laquelle on a travaillé jusqu'à aujourd'hui. C'est très difficile des fois parce que, imaginez un enfant, vous êtes en train d'enseigner un enfant de 5 ans. Vous savez, les enfants, ils sont pleins d'énergie et tout ça là. Pendant qu'on est en cours, des fois, ils se lèvent et pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux rien. Donc, on avait ce genre de dilemme là. Et jusqu'à aujourd'hui, au début, ça arrivait avec elle. Mais aujourd'hui, ça n'arrive plus. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, OK, pour captiver. Et motiver l'enfant pour attirer son attention et la motiver. On a trouvé des astuces, comme par exemple, dans les cours, vous allez me voir, nous, on est des fois comme des enfants, on danse avec eux, on a même acheté des jouets pour attirer leur attention, ce genre de choses. Donc, c'est tout un univers en fait qu'on a créé pour que l'élève, quel que soit son âge, se sente au maximum dans son élément, se sente à Tout à l'aise. fait. Et notamment pour les enfants aussi en particulier, c'est toute une conversation qu'on fait. C'est-à-dire que sur 30 minutes de cours, on peut faire 10 à 15 minutes de piano. Et le reste du temps, on crée la relation avec l'élève. Okay? Ça, c'est surtout très important pour les enfants, parce qu'il y a beaucoup de parents aussi. Récemment, il y a un élève avec lequel on a commencé. Au départ, ses parents avaient beaucoup de doutes parce qu'ils se disaient que l'enfant est très, très distrait des fois. OK. On lui a dit, OK, venez, on va faire un essai. On a fait 3 essais on a fait 3 cours d'essai. Et aujourd'hui, ils sont satisfaits. L'enfant est vraiment engagé dans le cours. Il joue. Bon, on va peut-être la prochaine interview, on montrera les vidéos. Mais il joue, il est très engagé. Il est vraiment in. Parce qu'on a su justement créer la relation là, en fait, avec lui. Très Donc, beau. c'est un peu ça. Et elle a aussi mentionné le côté Afrique.
qui fait partie de notre vision. C'est pour ça justement qu'on s'appelle Bantu Zik. Zik pour musique et Bantu pour Afrique. Alors, l'essentiel, la majorité, l'essentiel du contenu qu'on produit sera africain. Le contenu que vous retrouverez sur YouTube sera, on va dire, à 80%, à 99% du contenu africain. Pourquoi? Parce que si vous allez sur YouTube maintenant et que vous tapez Hello de Beyoncé ou Chandelier de Sia, vous aurez tout ce que vous voulez comme piano tutoriel, tout ça. Il y en a déjà suffisamment. Mais rien que la vidéo de Fally Ipupa qu'on a fait de 8e merveille, une chanson qui a cartonné dans le monde francophone, en Afrique francophone, en Europe, en Occident, il n'y a aucun tutoriel de ça sur YouTube, de piano. Aucun. Vous imaginez? On est le premier à avoir fait un tutoriel de cette chanson-là, qui est pourtant une chanson qui cartonne. C'est vraiment l'une des choses qui nous a motivés. On a trouvé ça vraiment aberrant, en fait. Parce que nous-mêmes, quand on apprenait le piano, on avait besoin de ce genre de tutoriel. Parce que nous, on a appris le piano en commençant par la musique classique. On a fait du Beethoven et Mozart et tout ça. Mais on n'avait pas ce contenu-là. Richard Bonnat, Myriam Makeba, tous ces grands, Salif Keita, tous ces grands musiciens africains, il n'y a pas de contenu de tutoriel. Donc, pour résumer, le but de Bantu Zik, justement, on aura cette part de tutoriel gratuit sur notre page YouTube pour ceux qui veulent apprendre, et une autre part d'accompagnement payant. Et pour vous inscrire, vous allez sur le site bantuzik.com. Donc, en fait, l'objectif, c'est de vulgariser l'apprentissage du piano dans la communauté africaine, en fait. Voilà, c'est vraiment ça l'objectif. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Merci beaucoup. Très, 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 très beau conseil. Il nous reste 5 minutes environ pour cette émission. En ce cas, en fait, je vais vous dire rapidement 2 choses. La première des choses, c'est ceci. Nous sommes 26 présentement. Bantu Zik est là devant nous, OK? Ils sont à 26 subscribers. Je vais attendre les 5 prochaines minutes. Nous sommes 24 maintenant. Allez vous abonner chez Bantu. Nous sommes déjà à 28. C'est bon, ça monte. Let's go. Let's go. Let's go. Nous sommes à 28. Allez vous abonner. Prenez une seconde. J'ai mis le lien ici. J'ai mis le lien. Cliquez sur ce lien si ça ne highlight pas. Cliquez sur ce lien ou allez taper Bantu Zik. C'est très simple. Dès que vous tapez Bantu Zik, ça va sortir. Dès que vous tapez Bantu, vous voyez, j'ai fait trop la recherche de Bantu Zik. OK? Bantu Zik, qu'est-ce qui est là? C'est notre vidéo en live. Ne cliquez pas sur ça. Allez cliquer sur la vidéo de Fally Ipupa. Vous voyez déjà la demande parce que c'est une vidéo qu'ils ont postée récemment. C'est une chaîne avec un peu de vues, un peu de subscribers, de followers. Et là, ils ont déjà une traction parce qu'il y a une demande. Donc, les frères et sœurs, s'il vous plaît, ajoutez plus de vidéos. Ajoutez plus de vidéos. Prenez toutes ces partitions et les tablatures, comme on m'a dit ce matin. Tablatures et partitions, vous ajoutez. Parce qu'il y a les papas, les mamans, les frères et sœurs qui sont là d'ailleurs, qui veulent apprendre leur musique sur le piano. Et finalement, ils ont l'opportunité de le faire. Bantu Zik, allez vous abonner. Je vois, je vais refresh. Nous sommes déjà à combien là? Mince, j'ai l'internet du pays aujourd'hui. 32, voilà! Maintenant, ça bouge. J'ai l'impression que j'ai l'internet du pays. Et, une dernière chose pour vous tous. Regardez très bien. C'est ce que moi j'aime sur la jeunesse africaine. On dit la jeunesse africaine, souvent les gens disent qu'elle est trop paresseuse, elle n'entreprend pas. Ça, c'est 2 jeunes. Attendez, je vous montre encore leur visage qui, c'est très rayonnant. OK? Très rayonnant, plein de vie, sont beaux et belles. Très rayonnant, très intelligent, parce que il y a aussi la partie. Je vous dis, nous, c'est notre enfant qui suit les cours avec eux. Et j'aime beaucoup Bantu Zik. Pourquoi? Parce que Monsieur Mili qui est devant vous, c'est un ingénieur aussi. OK? Donc, ce sont des personnes qui sont éduquées, qui sont bien instruites, qui ont la bonne éducation, la bonne formation. Donc, quand ils vous prennent en charge, il y a ce respect. OK? Il y a ce respect. Il y a le respect pour vous, il y a le respect pour votre enfant. Qu'il faut garder très, très, très en considération dans votre tête. Donc, ils ont ce respect, ils ont cette belle base, ils ont cette belle éducation, la communication. Ils sont très beaux.
vous les voyez d'abord. Donc, vous êtes jumeaux. Ce sont des jumeaux, ce sont des jeunes. Regardez, c'est ce que j'aime sur la jeunesse africaine. Elle est innovante. Et vous voyez aujourd'hui, avec la technologie qu'il y a, ils sont capables d'utiliser les outils et d'atteindre les prestataires, les personnes partout. Nous sommes au Canada, Roman est au Cameroun, et présentement, Monsieur Emeli est au Maroc. Et ils sont capables, et vous voyez la connexion de Roman est mieux que la mienne. Et je suis au Canada. Et regardez, Riz, ça ne glitch pas. Moi, je passe à glitch. Donc, c'est pour vous dire qu'ils ont les outils pour enseigner la musique. Et je peux vous montrer une dernière chose avant de conclure. ne nous laisse pas sans une petite danse. On va finir avec Jackie King. OK? Donc, s'il vous plaît, allez sur Bantuzik. Je vous mets le site une dernière fois. Cher, allez sur Bantuzik maintenant. Allez sur Bantuzik. Allez visiter ce site. Allez visiter le site, OK? Allez visiter le site. Vous voyez, le site est très bien, c'est bien présenté, c'est bien beau. Et vous pouvez faire vos paiements sur... Vous pouvez faire les paiements sur Internet. Attends. On peut faire les paiements... Attends. Vas-y, Mélie, enlève ton micro. On peut faire les paiements sur Internet directement, n'est-ce pas? Absolument. Parfait! Donc, il y a vraiment pas de barrière. Donc, ils sont en Afrique, vous faites avancer la jeunesse africaine et vous offrez aussi l'opportunité aux Africains, aux jeunes Africains de présenter leurs capacités. Ça, c'est une très belle chose. C'est un partenariat gagnant-gagnant parce que vous allez apprendre la belle musique. Je vous dis, la belle musique. Et vous allez apprendre la musique adaptée à votre préférence. Je ne sais pas où vous allez avoir cette opportunité. Et ces gars travaillent, ces filles, cette femme et ce monsieur travaillent beaucoup pour être... Ils répondent rapidement aux emails. Ils ont une plateforme qui est vraiment... Il y a un suivi. Le cours en ligne est très... très proactif. Donc, vous êtes vraiment dans l'activité. Et je vous conseille vraiment... Ça, moi, je vous conseille... Et vous pouvez m'aller sur ce site. Hein. À la fin du site, voici le client de LiveJog. Donc, ce n'est pas comme si j'ai fait la publicité. Je ne suis pas payé pour ça. Hein. Je vais seulement partager les bienfaits qui arrivent dans notre vie, comme on le fait sur notre chaîne. On partage les bienfaits qui arrivent dans notre vie pour que ceux qui sont autour de nous puissent avoir la même opportunité. Comme ça, si demain, nos enfants deviennent les Roman, Emeli, les grands pianistes demain, c'est grâce aussi au début de Bantuzik. OK? Donc, allez vous abonner. Bantuzik est vraiment un ajout de valeur dans la famille, dans la vie de ma famille. Je l'ai vu se remplir de fierté par ses accomplissements. Et c'est quelque chose qu'il faut aussi savoir. L'enseignant même prend plus de goût même, plus de plaisir à enseigner vos enfants. Je ne sais pas où vous allez trouver ça. Bon, anyway. Son instructeur qui est dédié et très qualifié s'ajuste à sa personnalité pour lui apprendre plusieurs pièces différentes un peu de temps. Je recommande 100% Bantuzik et j'ai hâte d'inscrire mes autres enfants quand ils seront en âge. J'ai un autre enfant qui a déjà 2 ans et je lui parle déjà que je veux inscrire mon enfant. Donc, l'autre qui est un bébé, elle joue déjà le piano. Donc, on va dire que Monsieur Emeli est là et Madame Roman est là. Donc, pour conclure cette émission, je vous dis, s'il vous plaît, Si vous pensez à des activités, allez visiter le site de Bantuzik. Les Africains, on aime la musique. Arrêtons d'être des consommateurs, devenons des créateurs et développons notre esprit, créatif. Créatif, développons ça. Et voici une plateforme qui propose des bons services. Et les prix sont très, très abordables. Très, très, très abordables. Donc, un dernier mot pour 30 secondes, après je vous mets la musique pour finir. D'accord. Donc, je prends le premier dernier mot. J'ai revu une question dans les commentaires. C'est une question qui revient beaucoup. Est-ce que les cours sont à distance? Oui, les cours sont à distance. Sauf si vous êtes au Cameroun et au Maroc, parce que nous sommes les deux enseignants pour l'instant, et notamment du piano. Il y aura plus tard d'autres instruments et d'autres enseignants. Et oui, les cours sont à distance. Et oui, c'est possible, parce qu'il y en a qui en doutent encore. Oui, c'est possible. On a déjà le setup, on a déjà le dispositif pour le faire, et d'avoir
une bonne connexion Internet et un téléphone portable au moins. Ensuite, vous pouvez avoir en plus un ordinateur ou une tablette, ce serait mieux. Et le reste, on gère. Ouais. Il gère vraiment. Vraiment, il gère. Je vous confirme ça à 100%. Romain, qu'est-ce que pour toi, alors, dis-nous alors un dernier mot de conclusion. Parce que toi, attends d'abord, la pancarte, je veux que tout le monde regarde ça. Quand j'ai tapé Bantusi, je veux que tu... Attends. Il faut que tout le monde voit d'abord. Oh, les gens là, ils aiment voir. Vous voyez, j'aimerais bien voir. Quand j'ai tapé Bantusi, c'est la photo de notre instructeur qui est devant, OK? Donc, c'est elle qui est devant nous. Vous avez aussi l'opportunité d'être enseigné par elle. Et c'est une très, 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 très bonne pianiste. Mélie aussi, très, 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 très bon pianiste. Donc, vraiment, ça, ce sont des jeunes que j'adore par le travail qu'ils font, l'investissement qu'ils font dans notre famille avec notre fille. Et aujourd'hui, elle est épanouie. Elle a hâte d'avoir, de prendre ses classes. Et moi aussi, j'ai dit dernièrement que je veux aussi apprendre ma musique, de me reconnecter avec la musique. Donc, Roman, dernier mot, s'il te plaît. Et pour ceux aussi qui ont eu à me demander, chez Bantusi, vous n'allez pas que apprendre à, je veux dire, jouer pour jouer, mais aussi comprendre ce que vous faites. Okay. Ce sera aussi de la théorie, un peu de théorie. C'est-à-dire, vous serez capable, comme on dit, at the end of the day, à savoir quelles sont les notes, savoir faire de la lecture du solfège. Donc, Et y a même quelqu'un qui a dit ceci. Ça, c'était quand elle avait gagné un concours au pays. Donc, regardez, hein. Vous avez des pianistes qui ont gagné des concours de musique, de piano au Cameroun. Donc, honnêtement, ne perdez pas, les places sont limitées. Mais lui aussi, lui, ils ont fait beaucoup de concours qu'ils ont gagnés, qu'ils ont participé au Cameroun. C'est un grand pays, okay, avec la musique, le patrimoine musical du Cameroun. Et ils ont réussi à gagner des concours. Très jeune, très dynamique, très innovateur. Ne manquez pas l'opportunité. Vas-y. Oui, tu as dit un truc. Bon, c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Les places sont effectivement limitées. Et ce n'est pas que de l'effet de pub, parce que nous sommes juste nous deux pour l'instant. Donc, merci. En plus de ce qu'on fait, Bantusi, on est à l'école. Moi, je suis élève ingénieur. Elle aussi, elle fait une école d'économie. Donc, on est en plein temps dans les cours. Donc, clairement, quand il y aura un certain cours, on va mettre pause. C'est clair. Donc, ceux qui veulent s'inscrire, vous aimez de le faire maintenant. Et aussi, les prix, comment on commence? On a mis des prix assez abordables pour que tout le monde puisse essayer, en fait, le cours. Voilà. Mais plus tard, quand on aura plus de charges et ainsi de suite, forcément, les prix vont suivre. Donc, il faudra profiter. Et une dernière chose, je veux passer un message à ceux qui sont jeunes aujourd'hui comme moi, les jeunes Africains comme moi. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est quelque chose auquel j'ai pensé depuis plus d'un an. Et la chose et l'élément qui m'a fait arriver où je suis, c'est-à-dire commencer, lancer l'école, c'est que j'ai essayé. Je suis passé à l'action, en fait. On dit ça beaucoup, on entend beaucoup ça dans les discours de motivation, ça n'a l'air de rien, mais c'est ça qui fait la différence. Et grâce justement à lui qui est ici, parce que je veux aussi faire ton atalako un peu. Tu as beaucoup fait mon atalako aujourd'hui, je vais faire ton atalako. C'est grâce au fait que lui me confie, en fait. Lorsque je lui ai donné mon idée, il m'a confié sa fille pour que je teste l'idée. C'est ça qui nous a permis aujourd'hui de nous rendre compte que oui, effectivement, c'est possible, de savoir précisément qu'est-ce qu'il faut améliorer, en fait. Okay? On avait prévu beaucoup de choses au départ. On a mis à la poubelle 80% des choses qu'on avait prévues parce que c'était sur le papier. On n'avait pas commencé à essayer. Quand on a essayé, on s'est adapté, ainsi de suite, et on continue dans ce processus d'amélioration continue. OK? Donc, merci beaucoup, lui. Merci pour tout, en fait. Bon, tu connais, si je commence en atalako aujourd'hui, on va aller jusqu'à... on va finir, donc voilà. Je sais. Merci beaucoup. Non, l'amour, c'est réciproque, ouais. Mon frère. C'est comme ça qu'on travaille. On doit travailler. On doit se motiver. Ouais. Je n'ai pas dit s'entraider. On doit se motiver. Ouais. Parce que vous êtes excellent. Et la chose, il faut mettre votre excellence en avant. Donc, je vais finir l'émission ce soir, aujourd'hui, ce matin. Partagez ce live, partagez avec des personnes qui aimeraient apprendre la musique. Partagez-le avec des personnes qui sont passionnées de la musique africaine et qui aimeraient maintenant apprendre eux-mêmes. Vous avez vraiment l'opportunité de le faire avec Bantusi. Je vais mettre une dernière chanson. Je vais mettre la démo rapidement
Après, je vais mettre la chanson de Jackie King pour conclure, OK? Merci beaucoup, Monsieur Bantouzik. Merci, Monsieur Meli. Merci, Roman. Et on va vous retrouver dans vos classes dans les jours à venir. Les places sont très limitées, très, très limitées. Très, très, très limitées. Au fait, il y a déjà 3 à 4 places qui sont déjà parties. Donc, il reste quasiment environ 7 places, si je ne me trompe pas. Donc, inscrivez-vous, inscrivez-vous, inscrivez-vous pour l'été. Merci beaucoup, Meli. Et je vais mettre la... Merci beaucoup à tous et passez une très, très, très bonne journée.